السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نتمم تمارين كتاب الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي الصفحة 100. عندنا اليوم production de l'écrit, évaluation, objectif, écrire un texte narratif. يعني كتابة نص سرد. أولا جو ميفالي. عندنا une tâche يعني مهمة. Recontez une fête d'anniversaire يعني أسرد حفلة عيد ميلاد. Intention. Donner envie d'y assister يعني جعل الناس يرغبون في الحضور. Situation يعني الموقف. Rassemble à l'aide de ses camarades les accessoires nécessaires يعني اجمع الملحقات اللازمة بمساعدة رفاقك. عندنا هنا action. Présenter la fête يعني تقديم الحفلة. Le lieu مكان. Les accessoires يعني اللوازم والملحقات. عندنا هنا produit يعني إنتاج أو المنتوج. Présentation orale ou avec diaporama يعني عرض شفوي أو عرض شرائحي يعني عن طريق شرائح. Auto evaluation تقييم ذاتي. Et evaluation des différentes présentations وتقييم العروض المختلفة. Choix des meilleurs diaporamas et la diffusion sur le blog de l'école. يعني اختيار أفضل عرض شرائحي وبثه على مدونة المدرسة. إذن هنا يعني نقدروا نعطي واحد example يعني على حفلة أو حفلة عيد ميلاد. Un jour, j'ai assisté à l'anniversaire de mon ami avec certains de mes amis dans un endroit merveilleux. Après nous avoir accueillis, il nous a offert des formes de bonbons et de boissons. Nous avons beaucoup dansé au rythme de la musique. Soudain, un acrobate est apparu avec des performances acrobatiques amusantes avec ses rires et ses vêtements amusants. Après la fête, nous avons dit au revoir à notre ami et nous sommes allés chez nous. Dans le tenien, je consulte Misaki. Parmi ces formules, je retrouve celles qui peuvent commencer en Russie. Adnana. Elle était une fois un garçon et une fille. Ceci s'est passé, si l'histoire, autant jadis, autrefois, en ce temps-là. يعني هنا عندنا يقول لك من بين هذه الصياغ أجد تلك التي يمكن أن تبدأ بها القصة. يعني عندنا هنا يا Il était une fois un garçon et une fille. يعني ذات مرة كان هناك صبي وفتاة. Ceci s'est passé. حدث هذا. Si l'histoire. هذا هو التاريخ. Autant في الأيام. Jadis منذ زمن بعيد. يعني هنا في الماضي. Autrefois, بحال جاديس يعني منذ زمن بعيد. En ce temps-là,
ثم. إذن العبارة يعني اللي نقدروا نديروا بها يعني نبداو بها ان روسي يعني إيل تيتين فوا ان غارسو تيتين في. عندنا جاديس جاديس عندنا اوتر فوا عندنا سوسي سي باسي يعني قاعدون نقدروا نبداو بهم يعني سرد القصة. ثانيا جو رومي اون اوتر يعني ارتب. عندنا هنا ا بي سي دي او ا Il tenait en équilibre une quille, un ballon et un livre sur son gros nid rouge. يعني كان يوازي دبوسا وكرة وكتابا على أنفه الأحمر الكبير. J'ai vu un clown sur son costume. Il n'y avait pas d'étoiles, mais de gros bouton. رأيت مهرجا على بدلته لم تكن هناك نجوم بل أزرار كبيرة. Il était très habile. يعني كان ماهرا. Il portait un beau chapeau pointé sur la tête. يعني كان يرتدي قبعة مدببة جميلة على رأسه. Le bouton dit dessous était jaune et celui de dessus mauve. يعني الزر السفلي باللون الأصفر والزر العلوي بالبنفسجي. إذن قدرنا نبدأ ب واحد هو ب. J'ai vu un clown sur son costume. Il n'y avait pas d'étoiles, mais de gros boutons. Tenien. Le bouton du dessus, ou bien dit dessous, était jaune et celui dit dessus mauve. Tenien. Elle portait un beau chapeau pointé sur la tête. Très bien. Il tenait en équilibre, une quille, un ballon et un livre sur son gros nez rouge. Cinquième. Il était très habile. يعني كان ماهرا. ثالثا. Je produis. Souviens-toi d'une fête de mariage à laquelle tu as assisté l'an dernier. Raconte à tes camarades comment la fête s'est déroulée. يعني تذكر حفل زفاف حضرته العام الماضي. أخبر زملائك في الفصل كيف صارت الحفلة. Voici quelques conseils pour préparer ce que tu vas dire et écrire. يعني إليك بعض النصائح للتخطيط ما يجب قوله وكتابته. Précise ou bien précise bien où et quand cela a-t-il eu lieu. تحديد أين ومتى حدث ذلك. Qui était invité. يعني من تمت دعوته. Explique bien chaque événement, le début de la fête, ce qui s'est passé ensuite. Pensez à utiliser des mots comme et puis ensuite la vieille mais. يعني أشرح كل
حدث جيد بداية الحفل، ماذا حدث بعد ذلك؟ يعني أستخدم كلمات مثل تم، بعد ذلك، اليوم السابق، ولكن. N'oubliez pas de raconter la fin de la fête. يعني لا تنسى أن تحكي قصة نهاية الحفل. نعطيكم واحد الإكزامبل. Un jour, j'ai assisté au mariage de la fille de ma tante. C'était une merveilleuse fête, selon les traditions marocaines. Les préparatifs ont commencé tôt en distribuant oralement les invitations à la fête aux invités. À la maison, chacun fit son travail comme une ruche. Ce dernier est responsable des invités et l'autre de coin cuisine. Quand à la fin, son souci principal est de montrer la mariée de la plus belle beauté. La cérémonie a débuté par la musique folklore et des danses, suivi d'un repas pour les invités. La fête s'est poursuivie jusqu'à tard dans la nuit. Donc, je vais vous donner un exemple que vous pouvez faire. Ce qui est le plus important, ce qui est le plus important, c'est que vous pouvez faire un peu. Donc, c'est ce qui est le plus important. Inch'Allah, nous allons voir la prochaine.